Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit jeu qui est caché à l'intérieur de Edge Beta. Attention, ça fonctionne vraiment que sur Edge Beta, ça ne fonctionne pas sur l'ancienne version. Donc Edge Beta, je vous rappelle, c'est le nouveau navigateur de Microsoft et il se présente avec cette petite vague où il est indiqué Beta. Je vais donc cliquer dessus. Mon navigateur est ouvert. Dans ma barre d'adresse, je vais pouvoir saisir l'adresse suivante. Je vais écrire Edge, deux points, slash, slash, donc la barre de division, surf, et je peux appuyer sur la touche entrée du clavier. Et je vais directement arriver sur le jeu qui est caché. Alors, ce jeu est un jeu très simple. Vous avez un petit surfeur. Vous pouvez choisir le surfeur que vous souhaitez en jouant avec les flèches de direction. Donc, la flèche qui va vers la gauche ou la flèche qui va vers la droite. Une fois que vous avez choisi votre participant, vous pouvez appuyer sur la touche d'espace pour commencer à jouer. Vous allez voir, il faut faire avancer votre petit surfeur, il faut éviter les obstacles. Vous avez le droit à 3 vies et le but du jeu est de parcourir le plus de distance possible. Donc si j'appuie sur la barre d'espace, c'est parti. Donc là, je peux récupérer une vie. Donc là, vous voyez, à l'aide de la flèche qui va vers la gauche et qui va vers la droite, je fais avancer mon petit surfeur, j'évite les obstacles. Donc, tous ces petits obstacles, si jamais j'en touche un, alors là, j'ai été ralenti, j'ai touché un obstacle, je tombe et j'ai perdu un petit cœur. Il me reste encore 2 chances. Donc, j'avance. Hop, j'ai pris un petit élément pour aller plus vite. Deuxième obstacle, je suis tombée. Alors, je vais faire exprès de tomber. J'ai perdu, il vous indique votre record, à savoir 959 mètres, et il vous propose de recommencer à surfer. Donc si je veux relancer une partie, j'appuie sur la barre d'espace, et ça me relance une partie. Vous pourrez avoir également ce jeu, alors je vais retourner sur l'accueil, donc je vais faire la petite maison. L'autre possibilité pour avoir ce jeu, ça va être notamment lorsque vous avez un message d'erreur sur votre navigateur. Par exemple, si j'ai une panne d'internet à la maison, donc je vais couper mon accès internet en désactivant le Wi-Fi. Si j'actualise la page, il m'indique que je ne suis pas connecté à internet, mais vous pouvez jouer à un jeu pendant que vous patientez. Si je fais lancer le jeu, je retrouve ce jeu de surf. Donc, c'est un jeu qui n'a pas besoin d'Internet pour pouvoir fonctionner. Nous en avons terminé pour ce petit jeu. Amusez-vous bien avec. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et à bientôt.